Bon Christophe, comment tu te sens actuellement dans ta revalidation? On en est où? Bah, ça va, hein. ça a voulu bien, franchement. Au début, voilà, c'était un peu chaud. J'ai jamais connu ce genre de blessure. Donc voilà, au début, il y avait un peu de doute. Mais là, je vois que ça a voulu bien et j'espère que ça va continuer. Alors, il y a l'opération, la dernière, cette semaine. Comment tu appréhendes ce moment aussi? Ben, ça va, hein, ça va. De toute façon, j'étais déjà au courant. Donc voilà, mentalement, je suis prêt. Voilà, j'ai hâte voilà, qu'on soit vendredi, comme ça c'est fait. Si on arrive à la fin de cette période de transition entre les deux opérations, on est à 3 jours de la deuxième opération. Donc là, l'évolution se passe très très bien. La première opération s'était très très bien passée. Ici, la mobilité est bonne. On travaille vraiment pour récupérer tout le volume musculaire nécessaire pour que la deuxième opération et l'après-deuxième opération se passent bien. Et donc voilà, on est à 3 jours de cette deuxième opération qui va vraiment constituer le premier pas vers son retour vers le terrain, quoi. Un petit mot pour les supporters qui envoient souvent des messages. Ben voilà, les supporters, ils sont magnifiques. Hein. On continue toujours à les remercier. Et eux, voilà, de leur côté, continuent à supporter l'équipe, supporter tout le monde. Et voilà, j'en profite pour les souhaiter des bonnes fêtes de Noël et bonnes fêtes de Nouvel An.